tour. On essaye d'aller là-bas maintenant et on va se faire balancer. Voilà, ça sur la figure. Ah, ça c'est bon. Ok. Bon, on l'a raté. Ça. Là. Quoi qui m'a touché? Vous entendez aboyer, je suis désolé. Non, j'ai tout fermé. C'est l'heure où il y a plus personne qui fait attention dans la rue, dans le bâtiment. Il n'y avait pas un diamant bleu ici sur moi. Metaled a fait le plat pour t'affronter. Attaque les poteaux d'énergie pour le couper de sa source d'énergie. Voilà, regardez. Diamant bleu. Tu parles de ce qu'il y a là-haut, oui, oui, bien sûr, il y a quelque chose. Mais... sachant qu'il y a un peu de décalage, bien sûr, quelques secondes entre ce que je fais et ce que vous voyez. Attends, je vais me poser. Regarde, je me pose là. Et en face, ce qui brille, oui, bien sûr, mais je peux pas y aller. Pour légèrement sur ma gauche. Bien vu. Bien vu. Il a des yeux, hein. Normal, c'est un humain. Alors, là c'est le boss. On va éviter de rentrer chez lui pour le moment. Et on va faire les égouts là, la petite accès. Sachant que je veux pareil, encore une fois, je vous garantis pas un accès à 100% réussite. Ah bah tiens, regardez ce que j'ai raté là, au passage. Voilà. Ça commence à faire beaucoup avec le bon itinéraire, la facture va être... Oh ça va. Un 100% de vol hier, ça vaut le coup quand même en deux. Oh, une vie, oui, ça commençait à manquer. Une gazelle quand il saute là. Oh, une clé. Il y a donc un coffre quelque part à gérer avec une clé.
Oh. Un peu plus et je me trompe de sens dans la caméra. Donc un peu plus et je me plante tout court. Ça suffira pas. Ah, ça suffira pas, je suis parti trop à gauche. Je peux me permettre de sauter un petit coup là-dedans. Oh, c'est passé crème. Eh ben dis donc. Je m'y attendais pas, ça. Oh, si, c'est passé. Ok, on est à 243 gemmes sur 500, la moitié, et il reste que la salle du boss, en fait. Et un coffre avec une clé qui est soit avec le boss, soit je l'ai raté. Nous non plus, on ne s'y attendait pas. Merci du soutien. Mortel. Merci du soutien. Allez, je suis le point là. Stop. Ah, la porte s'est fermée derrière moi. Je pensais que c'était avec la ligne. Alors, que je me souvienne. Il va falloir lui balancer. Balance-moi des machins si tu veux, fais-toi plaisir. Mais comment on fait ? Ah ! Quelqu'un ? Ok, il s'en va. Il a bugué là. Il a bugué, il a tué son propre sbire. Il y a des trucs. Non. Non, bon ben on descend. Allez, même technique. Sachant que là, hop là, de mémoire, faut grimper. Il y a quand même des souvenirs qui restent, hein. Ah bah tiens, la clé. Il y en a de l'autre côté, je crois. Non? Là-haut? Ouais, 365. Boss désactivé. Voilà, il était dur, hein. C'était le boss. Je déconne pas, c'était le boss. Peut-être quelque chose là. Voilà.
Il va nous en manquer une à la fin, sérieux. Hop hop. Deux. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Hein. 100%. Yes. Le vol, on a tout. Donc on va pouvoir passer au prochain monde. Et en fait, je pensais pas mettre vraiment autant de temps sur ce monde là, enfin, même si c'est le plus compliqué en vrai. En plus des dérangements qui ont eu lieu, du coup, le temps du chargement est dépassé. Je me sens beaucoup mieux maintenant que tant de dragons ont été sauvés. Saute dans le ballon et je t'emmènerai au monde des tisseurs du rêve. Tu es prêt à y aller? Ouais. On se prépare à aller au monde des tisseurs de rêve, mais par contre, je vais arrêter le stream là. Ouais, on va faire ça. Parce que là, ça commence à faire long. Je sais que je vais galérer à le découper pour les VOD. Donc, je vous dis. Quand est-ce qu'on continue, Spyro? Quand est-ce qu'on continue, Spyro? J'ai envie de dire demain, mais pas demain après-midi, par contre. Ouais. On va faire ça. Je pense demain soir. On va faire ça. On continue Spyro demain soir, en espérant le finir. Et quoi qu'il reste beaucoup de choses, en fait. Et ce sera plus simple pour découper ce morceau qui nous a bien gêné. Mais regardez, il vous dit au revoir en face. Il est mignon. Allez, je vous embrasse. Et on se retrouve pour Spyro demain soir ou fin d'après-midi soir, quelque chose comme ça, et on verra comment on avance dessus.